J'ai un enseignement, je peux dire un petit enseignement, mais c'est très important. Très, très important. J'ai intitulé Christ en vous. Christ en vous. Nous allons lire Colossiens 1, le verset 27. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce glorieux mystère. Nous croyons, Seigneur, que tu béniras ton église et que tu leur enseigneras la parole. Parce qu'il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ton église et bénis aussi cet enseignement. Je te prie, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Bien, Christ en vous. Je suis en train de parler de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pour tous ceux qui espèrent aller dans la gloire, la chose la plus importante, le mystère des mystères, le plus grand des mystères, c'est Christ en vous. Donnez-moi un Amen. Frère Bonhomme dit dans Monsieur est le signe de la fin Il dit le septième mystère, c'est celui de Dieu soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Donc c'est ça le plus grand des mystères, c'est-à-dire la plénitude de la divinité ou Christ restauré dans l'homme. Et c'est ça qui vous donne... La la comment dirais-je, l'espérance que vous allez partir dans l'enlèvement. Bien que Dieu soit béni. Donc, c'est ce septième mystère que je veux parler. Le mystère de Christ dans l'homme. Maintenant, c'est vraiment important. Christ dans l'homme. Alors, vous êtes avec moi? la Bible dit dans Ésaïe 61, le verset premier. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Vous voyez cette cette prophétie, c'était une prophétie d'Esaïe. Esaïe a prophétisé, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, etc., etc. Et cette prophétie ici s'est accomplie dans Luc au chapitre 4. Nous voyons que Jésus est allé dans, dans le temple, ou, non, non pas dans le temple, dans la synagogue, parce qu'il y a une différence entre temple et synagogue. Nous allons lire cela. Il s'est rendu à Nazareth, là où il avait été élevé. Et vous savez, Jésus n'est pas né à Nazareth. Il a été élevé à Nazareth. Nazareth, c'est pour ça qu'on l'appelait le Nazaré, nazaréen. Parce qu'il a été élevé à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Là où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour, pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Est-ce que les gens, est-ce qu'au fond là-bas, vous m'entendez bien? Ok, c'est bon, parce que c'est très très important ce que je vais dire ce matin. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il a ouvert le livre du prophète Esaïe et il trouva l'endroit où il était écrit. Donc Jésus a trouvé la citation du jour. Donnez-moi un Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, etc. etc. Amen. Donc, je voudrais simplement vous montrer ici que Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oué. L'Éternel m'a oué pour. Il m'a oué pour. Il m'a oué pour. Il m'a pour. pour. C'est important l'onction qui était sur ces garçons. C'est important l'onction qui était sur ces jeunes hommes. Alléluia! Alors, nous allons parler ce matin de l'onction qui était sur cet homme et de cet homme lui-même. Que Dieu soit béni, Amen. Gloire à Dieu. Parce que cette onction est tellement importante. Parce que c'était cette onction qui guérissait le malade. C'est cette onction qui délivrait les captifs. C'est cette onction qui libérait les captifs. Qui... Alléluia! Et c'est cette onction que nous avons besoin ici à Shalom Tabernacle.